liberté, place aujourd'hui à la plaine, avec une première opportunité de victoire pour les purs sprinteurs. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. On observe une nette accélération du peloton. Il n'y aura plus de bon de sortie. Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. Attaque à l'avant du peloton! Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Ça s'agite à l'avant. Crevaison. Le coureur va devoir faire un effort pour rentrer dans le peloton. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Il est sorti du peloton comme une balle. Nouvelle attaque dans le groupe de tête.
On signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Voilà, nous avons dépassé la première moitié de course sur ce kilomètre. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Attention, une attaque dans le groupe de tête! Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. On vient d'entrer dans le dernier tiers de la course. Le sort va bientôt être joué.
Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Nous ne sommes plus qu'à 20 km de l'arrivée. Le sprint paraît inévitable. Le groupe d'échappés vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Le sprint massif paraît désormais inévitable. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Un coureur a chuté, il ne se relève pas. Apparemment, il semble contraint à l'abandon. Oula, un leader est tombé! Espérons que ça n'ait pas d'incidence sur le déroulement de la course. Un sprint tout en puissance pour une superbe victoire. Et l'on signale qu'un coureur vient d'arracher son dossard. Sa course s'arrête là. La course est jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. C'est dur pour le moral.